Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père, en son Fils, Jésus le Christ, notre frère. Bienvenue à vous tous dans cette maison de prière. Nous sommes rassemblés ce matin, comme chaque fois que nous célébrons un culte, pour rendre gloire à Dieu. Exprimer notre reconnaissance et lui confier ce qui nous anime. Aujourd'hui est un jour important pour notre Église parce que nous allons vivre ensemble la liturgie d'installation du Conseil presbytéral qui a été élu en juin dernier. Et pour présider à cette liturgie, comme il est d'usage dans notre Église, c'est un pasteur retraité depuis 3 jours. Oui, oui. Et actuellement membre de la cellule régionale de diaconie qui est venue nous rejoindre. Alors bienvenue à Vincent Hubach. Pour entrer dans ce moment de joie, je vous invite à chanter le premier spontané que vous trouverez dans la liturgie qui est au tout début du psautier français. Bénissons Dieu le Saint Seigneur, nous qui choisis pour serviteurs, levons nos mains dans sa maison, pour bénir et louer son Nous louons le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec son Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration. Tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner.
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission. Tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Et nous chantons notre louange avec le psaume 33, les strophes 1, 4 et 5. Acclame Dieu à pleine voix, sa louange séante et belle, dans la bouche des hommes droits, sur un air de fête, sonnent les trompettes, pour un chant nouveau. Prenez place. Écoutons ce que Dieu nous demande pour aujourd'hui et les jours qui viennent. Dans l'évangile de Marc, nous lisons: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je
présentons-nous devant Dieu tels que nous sommes. Père aux cieux, ne sois pas avec nos péchés contre nous, mais avec nous contre nos péchés. Qu'ainsi ta pensée, quand elle s'éveille en notre âme, et à chaque fois nous rappelle, non pas ce que nous avons commis de faute, mais ce que tu pardonnas, non pas comment nous nous sommes égarés, mais comment tu nous sauvas. Amen. Aime mon Dieu, car il entend ma voix dans la prière où le tourment m'oppresse. Quand j'ai prié au jour de ma détresse, dans sa bonté, il s'est tourné vers moi. Le Seigneur redit sans cesse sa grâce et à travers le psaume 116, écoutons sa promesse. J'aime l'Éternel, dit le psalmiste. Il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible et il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Chantons notre reconnaissance et nous nous levons pour cela. Merci. Je n'entre personne. Aujourd'hui, je vous invite à entendre un passage tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 17. Je suis la vraie vigne, mon père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne produit pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui produit du fruit, il l'émonde, afin qu'il en produise davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même produire du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là produira du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on le ramasse, et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance,
et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Avant de revenir sur ces passages, je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 214, les strophes 1 et 2. Je vous invite à prier Dieu avec l'aide de Charles Wagner, dont nous lirons cette prière. Accorde, Père, accorde à tes enfants assemblés le sentiment de ta sainte et souveraine présence. Que tous ensemble, nous te cherchions dans la simplicité, avec des cœurs sincères, dans l'amour fraternel, décidés aux actes. Parle-nous par la voix d'un homme, mais dans son insuffisance et son infirmité comme un écho de ta parole éternelle. Dis à chacun de nous ce qu'il a besoin d'entendre. Aide la parole mortelle à trouver le chemin des cœurs pour y accomplir une œuvre immortelle d'espérance, de réconfort, de guérison. Que ceux qui ont faim et soif ne s'en aillent pas découragés, n'ayant pu boire à tes sources divines. Fais-nous du bien, comme tu nous aimes, non selon nos mérites et notre foi, mais selon nos misères et ta miséricorde. Ainsi soit-il, dans la communion sainte par le Christ libérateur. Amen.
Voilà, j'espère que ces passages qui viennent d'être lus résonnent en vous un petit peu, parce que j'espère que vous les connaissiez bien, évidemment. Mais ces passages sont extrêmement importants parce que, d'abord, ils se situent dans l'Évangile de Jean, au cœur même de ce qu'on appelle l'entretien suprême, c'est-à-dire un ensemble de discours qui ont été prononcés par Jésus et réunis par Jean, juste avant la Passion. Donc c'est vraiment un moment très crucial, évidemment. Ensuite, cette parabole de la vigne qui a été lue, eh bien, s'inscrit dans une longue tradition prophétique, puisque les prophètes de la Première Alliance avaient déjà utilisé largement cette image de la vigne. Et cela, ces deux remarques sont importantes parce que, précisément, ce qui est au centre de ces deux récits qui sont collés l'un à l'autre, c'est le commandement de l'amour. Alors, effectivement, nous verrons un petit peu ce que nous dit la vigne telle que Jésus nous la présente dans ce passage, avant de voir un petit peu ce commandement de l'amour. La vigne, c'est quelque chose qui est connu de tous. C'est vrai que dans nos cités, dans nos mégapoles, dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, à moins de vivre en Bourgogne ou dans le Bordelais, la vigne ne dit pas toujours grand-chose. Elle se résume en une bouteille de vin pour beaucoup. Mais à l'époque de Jésus, la vigne, elle est partout en Palestine. Elle est sur les coteaux qui bordent Jérusalem. Et même si on habite une grande ville comme Jérusalem, une grande ville pour l'époque, eh bien, on sait très bien ce que c'est qu'une vigne. Je crois que c'est important que Jésus utilise ainsi des choses qui sont extrêmement connues et familières, parce que ça permet aux auditeurs d'entrer dans le texte assez facilement, sans avoir à faire de gymnastique en se disant « mais qu'est-ce que c'est exactement? De quoi parle-t-il vraiment ?» La vigne, c'est une allégorie, l'histoire de la vigne et du vigneron, c'est une allégorie pour dire Dieu, qui est le vigneron, bien sûr, et la vigne, qui est le peuple. Qu'est-ce que dit ce passage? Il dit que Dieu prend soin de la vigne, le vigneron prend soin de sa vigne. C'est déjà l'image de la charité. Vous savez que dans les différents sens de charité, il y a cette idée de prendre soin. C'est une belle image que celle du vigneron qui représente Dieu, parce que la vigne nécessite des soins en toute saison. Vous voyez, c'est un lieu de la campagne qui est toujours animé, même en hiver. Il faut faire un tas de travail, il faut planter, biner, sarcler, il faut replanter certains pieds, il faut émonder, bien sûr, vendanger, fumer, ainsi de suite. Enfin bref, les paysages de vigne sont des paysages très très animés. Et cette image, finalement, est intéressante parce que ça veut dire que le vigneron venant régulièrement, presque quotidiennement, à sa vigne, eh bien, c'est Dieu qui vient quotidiennement, régulièrement, nous visiter finalement pour travailler son peuple, nous travailler les uns les autres, évidemment. Et puis, il y a la protection qui est importante. Le vigneron protège sa vigne, surtout dans l'Antiquité. On avait coutume de fermer, d'enclore les vignes, voire de construire des tours pour veiller à ce que personne ne vienne piller la vigne. Il y a donc cette idée aussi de protection de la part de Dieu. Et ça aussi, c'est tout à fait important. Nous sommes là déjà dès la première alliance, qui utilise cette image, comme je vous l'ai dit. Nous sommes là déjà dans l'annonce de la bonne nouvelle. Car c'est une image extrêmement positive de Dieu qui nous est présentée et une image qui nous touche les uns les autres parce que nous sommes véritablement la vigne. Et puis, dans cette image de vigneron, il y a l'espérance de Dieu. Si nous espérons en Dieu, c'est que Dieu espère en nous, d'abord et avant tout. Si nous attendons de Dieu quelque chose, c'est que Dieu attend de nous quelque chose aussi. Il attend la récolte. Cette récolte est tout à fait extraordinaire, là aussi. Le fruit de la vigne, c'est d'abord le raisin.
Le raisin frais qu'on peut consommer, évidemment, vous le savez, c'est jus de raisin, c'est aussi le vin qui va servir à la fête, dire qui permet d'être un petit peu joyeux. Ne voyez pas de ma part une publicité pour boire du vin. Je suis membre de la Croix-Bleue depuis 40 ans et je ne bois jamais d'alcool, mais il n'empêche que c'est vrai que lorsque il y a le vin de la fête qui est là, eh bien ça permet aux gens de se rencontrer peut-être plus facilement, que sais-je encore. Et puis il y a un autre aspect du fruit de la vigne qui est intéressant, c'est le raisin sec. C'est-à-dire que c'est un raisin qui se conserve tout l'hiver et qu'on peut consommer au moment de la soudure, c'est-à-dire au moment où on est entre l'hiver et le printemps, où les réserves ont été épuisées et où les nouvelles récoltes n'ont pas encore été faites. Et donc, il y a là aussi, au niveau du fruit de la vigne, quelque chose qui est de l'ordre presque de la plénitude. Vous voyez, on est là aussi, il y a tellement de choses à dire et tellement à attendre d'une vigne. Et Dieu attend. Dieu attend le vigneron comme le vigneron attend. Il attend de nous. Il attend que nous puissions porter du fruit. Du fruit qui peut être varié, certes. Je crois que c'est tout à fait intéressant aussi de le signaler. Alors vous me direz peut-être, tout ça c'est bien beau, Dieu va nous émonder, la parole de Dieu va être là pour nous faire produire davantage, que cette attente soit véritablement, je dirais, activée et que la récolte soit belle, mais il y a aussi tout ce qu'on jette au feu. Alors je me suis souvent demandé, qu'est-ce que ça voulait dire que ces malédictions qui traînent dans la Bible, aussi bien dans la première alliance que dans la deuxième alliance. Mais je pense qu'il s'agit de ce que j'appelle l'exagération prophétique. C'est-à-dire les prophètes et Jésus, parfois dans ses paraboles, ont le verbe très très haut, c'est-à-dire avec des menaces qui sont très graves. Et je pense que ces menaces ne sont pas là pour être mises en action, mais elles sont là pour prévenir, pour choquer véritablement. Et du coup, elles sont là pour nous faire réfléchir, pour que nous puissions réagir, finalement. Voilà, si nous ne sommes pas émondés, si on se laisse aller, finalement, si on ne va pas puiser à la source de la parole ce qu'il faut pour vivre et vivre selon la volonté de Dieu, eh bien, on risque finalement d'être jeté au feu et brûlé. Mais je ne crois pas que nous soyons ainsi voués au châtiment éternel. En revanche, je pense que Dieu garde ce qui est positif. Même si le pied de vigne n'est pas terrible et s'il n'y a qu'un seul grain, eh bien ce grain sera récolté. Et c'est ça qui me semble intéressant. Je crois que la bonne nouvelle, c'est d'abord cette idée que Dieu ne veut que rien ne se perde, que tout ce qui peut être récupéré chez nous puisse être récupéré et être inscrit dans l'éternité. Dieu est celui qui peut pardonner, qui peut aller chercher ce qui est quasiment invisible chez quelqu'un, qui est enfoui, caché, là où nous en serions incapables. Dieu, lui, peut pardonner, peut aller chercher. Je voulais vous donner un exemple qui n'est pas de la provocation de ma part, ne le pensez pas, mais qui illustre bien ce que je viens de dire. Je me souviens d'un reportage sur la secrétaire de Hitler. Vous savez, je pense que vous seriez comme moi, tous les uns et les autres, les unes et les autres, prêts à condamner cet homme, à dire quelle horreur. Il n'y a rien à récupérer chez lui. Pourtant, cette femme disait qu'il était adorable avec elle, qu'il avait reçu la première fois lorsqu'elle était candidate pour être secrétaire en la mettant à l'aise, etc. Étonnant, vraiment étonnant. J'étais étonné. Mais comment un monstre, un homme je vois comme monstrueux, pense que vous êtes comme moi, peut-il avoir comme cela des attentions qui sont vraiment humaines? Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça me fait réfléchir, parce que je me dis qu'il n'y a pas d'êtres qui sont entièrement mauvais. Certes, nous ne pourrions pas pardonner aux horreurs du nazisme, du racisme, des camps de concentration, de toutes ces idées qui traînent et qui sont génératrices de violence, de mort, d'exclusion.
Je pense que Dieu, lui, peut récupérer ce qui est récupérable. Mais Dieu est Dieu. Et nous avons besoin de son aide pour réaliser que la parole que dit Paul, là où la faute abonde, la grâce surabonde, est une parole forte, qui n'a jamais aimé finalement dans sa vie, qui n'a jamais été aimé. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est universel. Il y a là quelque chose qui fait que Dieu peut véritablement entrer dans la vie des uns et des autres par une porte qui peut-être n'est pas grande ouverte, mais qui reste toujours un petit peu entrouverte. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance dans le fruit qu'on peut porter, même si ce fruit est tout petit, même s'il est presque inconsistant. Et je pense à Pierre Ducrot, un pasteur de l'oratoire, dont certains se souviennent sans doute. On était au catéchisme et il nous a raconté cette histoire. Il allait visiter un jeune qui allait subir une opération extrêmement importante et extrêmement dangereuse. Il y a fortes chances que ce jeune risqua sa vie sur la table d'opération. Alors Pierre Ducrot lui a posé la question « Comment tu vois la mort ?» Et le jeune a répondu cela comme un grand atelier de réparation. Voilà, je ne sais pas ce que vous retiendrez de ma prédication aujourd'hui, mais retenez cette image, un grand atelier de réparation. La parole est là pour nous émonder, pour nous réparer, pour faire qu'on soit mieux après qu'avant, voyez, pour récupérer ce qui peut être récupérable, même si à vue humaine, il n'y a rien de récupérable. Mais Dieu est Dieu, et Dieu est amour. Alors, ce texte qui nous dit la bonne nouvelle, et qui nous entraîne un petit peu loin, voyez, bien, ce texte, il a quelque chose de particulier quand même par rapport au récit vétérotestamentaire. Il y a cette idée que Jésus est la vraie vigne. Jésus est la vigne. Nous sommes la vigne et Jésus est la vigne. Il est la vigne et dans cette vigne, il est le cep. On rejoint avec cette image un petit peu l'image paulinienne du corps, l'Église, corps du Christ, dont nous sommes les membres et dont Jésus est la tête. La vigne, vigne. Qui est Jésus-Christ lui-même et dont il est le cep. Il y a dans ces images de ces prédicateurs de la première heure, si je puis dire, de Paul, Jean et les autres, il y a cette idée que Dieu en Jésus-Christ vient nous nourrir, finalement, vient nous imbiber, je dirais, de sa pensée, de sa parole, comme la sève va imbiber finalement tout le sarment et produire du fruit, ou comme l'idée qui vient, la tête du cerveau va mettre en mouvement, va faire vivre le corps entier. Il y a cette originalité qui nous dit « Dieu n'est pas extérieur au peuple ou avec le peuple même, mais qu'il est lui-même en Jésus-Christ, le peuple. » Je crois que c'est tout à fait important. C'est important de signaler ceci, parce qu'il y a dans cette nouveauté l'idée que chacune et chacun d'entre nous étant membre de la vigne, avec ses qualités et ses défauts, comme je vous le disais, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de qualités, même une seule et toute petite, minuscule et bien suffisante. Il y a cette idée que si nous sommes la vigne et si le Christ est lui-même la vraie vigne, il y a quelque chose de Christ en chacune et chacun d'entre nous. Et c'est ça la nouveauté. C'est peut-être la nouveauté du Nouveau Testament, que cette grâce qui est offerte en Jésus-Christ est là inscrite au cœur même de notre vie et reluit dans nos visages. Alors Jésus, après cette parabole qu'il a racontée de la vigne, Jésus fonde le récit de sa parabole sur l'amour. L'amour de Dieu qui est communiqué. Cet amour qui est l'agapé. J'ai eu la joie il y a quelques dimanches, au mois d'août, ici. Alors j'étais quelque part dans l'assemblée, dans la nef, d'entendre la pasteur Agnès Schaeffer parler de l'agapé. Et je trouvais que c'était formidable. L'agapé, c'est l'amour de Dieu. On n'a pas traduit ce terme en français, voyez, parce que le mot amour est tellement usé
rapiécée, utilisée dans telle et telle circonstance, et parfois mise au service d'ineptie, de cucuterie sans, bon, sans nom, de dire que agapé n'a pas pu être dit dans le mot amour. Il est bien plus. L'agapé est incompréhensible au final. On l'a bien vu dans l'exemple que je vous ai donné, alors qu'un monstre que nous sommes incapables d'aimer à juste titre, parce qu'il est monstrueux, peut être reçu par Dieu. Certes, il n'y a rien dit de la repentance et du poids de la repentance, certes, évidemment, qui doit être particulièrement lourd, mais peu importe, il y est reçu. L'amour de Dieu est incompréhensible. Incompréhensible parce qu'il va toucher tous les êtres et qu'il nous touche les uns et les autres. Il est absurde même. Absurde. Dieu n'a pas besoin de nous, évidemment. Dieu se suffit à lui-même par définition. Et pourtant, il y a cet amour qui s'adresse à tout un chacun et au monde. Mais cet amour, il est intéressant de revenir dessus régulièrement. Une fois, quelqu'un m'a dit, vous savez, vous les chrétiens, vous êtes dégoulinants d'amour. J'ai toujours attention parce qu'avec ma carrure, j'ai toujours peur de donner une paire de claques aux gens qui m'indisposent. Et c'est quand même incroyable. Je n'ai pas l'impression, quand je vous vois, que vous êtes dégoulinants d'amour. C'est quelqu'un qui entend parler que le christianisme vive de l'amour de Dieu, c'est gentillet, etc., ce que je disais tout à l'heure. Mais pas du tout. Nous vivons de l'agapé de Dieu, de cet amour dont on est en train de parler, qui est fort, précisément. Qui est fort parce qu'il est bien au-delà de nous-mêmes, qui nous dépasse complètement, il dépasse toutes les limites que nous puissions imaginer. Ça, c'est une énergie extraordinaire, une énergie qui donne du sens. Combien de fois dans mes visites pastorales auprès de grands malades ou de gens en détresse, j'ai vu cette énergie qui les redressait, vu des gens au seuil de la mort se mettre assis sur leur lit tout seuls parce qu'ils entendaient une parole de Dieu qui était lue. Quelle énergie fallait sortir de soi pour vivre cela alors que la mort était là quelques minutes après. Pas si vous vous rendez compte. Si c'est ça, être dégoulinant d'amour, vraiment, franchement. Non, c'est une force d'espérance incroyable, une force qui donne du sens, qui fait vivre, qui illumine complètement l'individu. C'est une force qui est au-delà de tout désir et qui est même au-delà de la charité, bien plus fort que tout ça. C'est la gloire de Dieu qui s'exprime dans des moments comme cela. Oh, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que la force de l'Esprit de Dieu soit là, présent, trois fois rien, bien suffisant pour que le ciel vienne à s'ouvrir, finalement, et qu'il se passe un moment d'éternité. Alors, cet amour qui est là, qui sous-tend toute la, tout le récit de la vigne, et qui dit que finalement nous sommes les amis de Dieu. Les amis, vous êtes mes amis, si vous êtes dans cet amour, si vous vivez de cet esprit, de cette parole finalement. Je trouve que c'est une élection. C'est une élection, je vous choisis comme ami, je vous donne ma parole. Je pense que c'est une élection éternelle pour ma part, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça. Vraiment, nous sommes choisis tels que nous sommes, les uns après les autres, là, dans nos identités, avec nos qualités, nos défauts, nos spécificités, nos passions, que sais-je encore, et aussi nos désespoirs, bien sûr, et nos peines, nos chagrins et nos joies. Mais nous sommes choisis véritablement par Dieu. C'est assez génial. Quand vous sortirez, tout à l'heure, si vous sortez sans bondir de joie, ça ne va pas. Hein? Parce que vous avez été choisis par Dieu pour vivre de cette puissance de l'esprit, de cette puissance de l'amour et de l'agapé. C'est un sentiment de plénitude qui est là. C'est le moment où le royaume vient nous toucher, nous faire vivre. C'est le moment où la bonne nouvelle est véritablement vécue. Alors Jésus nous dit, je vous commande de vous aimer. Alors ça, c'est un oxymore, hein. Vous savez, les termes qui sont opposés dans la même idée. Hein? Comment commander à quelqu'un d'aimer?
pas possible. C'est pas possible. Mais il faut s'aimer. Il faut vivre de cet agapé. Peut-être chercher dans un fouillis de choses qui viennent s'accumuler dans nos vies et qui ont tendance un peu à occulter cet agapé. Il faut chercher l'agapé pour en vivre. Mais on ne peut pas commander aux gens d'aimer. Parce que l'agapé, c'est la liberté. C'est justement faire que nous puissions être complètement libérés de toute forme de morale et toute forme de loi, bien sûr. Le christianisme est amoral, il n'est pas immoral, mais il n'a pas de morale. On ne peut pas codifier l'amour. Pas possible. Il y a ce choix qui fait de nous des amis. Vous savez qu'on choisit ses amis et qu'on subit sa famille, comme disait Napoléon III, mais il n'est pas le seul à l'avoir dit, le dire quand il a écrit à l'empereur de Prusse. Mais cette amitié, ça a quelque chose de particulier, c'est que ça se construit petit à petit au fil du temps. Ça s'entretient, l'amitié. Et ça aussi, ça fait partie de l'image du vigneron qui vient régulièrement à sa vigne pour la travailler, pour l'émonder. Dieu travaille en nous, jour après jour, heure après heure, moment après moment, pour que nous puissions réaliser que nous sommes amis, amis de Dieu, amis du Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis de faire, si vous vivez de cet esprit, de cet amour, de cette joie qui est là. Et vous êtes un homme nouveau à ce moment-là, véritablement. La Bible parle dans son Nouveau Testament de l'homme nouveau. C'est cet homme qui est là, cet homme qui est construit par l'amour de Dieu, par la puissance de l'Esprit, un être de spontanéité. Être chrétien, c'est une manière d'être libre et d'être libre au service des autres. C'est ça la noblesse du christianisme. C'est cet amour et ce service qui est là, qui fait qu'on a une idée de l'humain qui est tout à fait extraordinaire. Vision du monde aussi, une vision d'un monde qui ne peut pas être perdu, parce que c'est le monde de la création de Dieu, un monde qui, lui aussi, doit être aimé. C'est ainsi que Dieu est glorifié, c'est ainsi que les amis de Dieu pourront chanter Dieu, finalement. Et c'est comme ça que le commandement de s'aimer les uns les autres, quand il est vécu, fait que le ciel touche la terre à ce moment-là, que la plénitude, elle est là, et que la joie de Dieu est partagée. Ce message, il est pour toutes et tous, évidemment. Vous, les auditeurs ici présents, les auditeurs qui écoutent en différé ce culte, et puis peut-être aussi toutes celles et tous ceux auxquels vous pensez. Mais aujourd'hui, je pense à cette paroisse de l'Oratoire, que je connais un petit peu depuis quelques années. Vous savez que je suis à la retraite depuis 3 jours, mais je suis membre de l'Oratoire depuis 70 ans. Et donc, c'est une paroisse qui me tient à cœur, et d'être là pour installer le conseil presbytéral, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Et ce message, il est pour vous, frères et sœurs du conseil presbytéral, comme il est pour tous les membres de cette paroisse. Il est pour vous particulièrement aujourd'hui. J'espère que vous êtes différents les uns des autres. Si vous étiez tous pareils, eh bien, vos conseils presbytéraux finiraient vers 21h, 21h30, et ils seraient ennuyeux, parce qu'il n'y aurait pas de débat. Ceci dit, je vous signale que le Saint-Esprit va se coucher vers 11h du soir, quand même. Mais j'espère que vous êtes différents les uns des autres, que vous êtes des fous de Dieu, des passionnés. Vous êtes prêts à tout donner, comme le Christ a donné sa vie, véritablement, pour vos idées que vous avez pour l'oratoire. Mais vous êtes différents, donc vous êtes riches quand vous êtes ensemble, beaucoup plus riches que quand vous êtes seuls. Et alors, cette différence fait que vous aurez des débats que j'espère passionnés, qui peuvent aller aux limites même du conflit. Mais c'est humain. Vous en aurez sûrement.
Je ne connais pas de conseil presbytéral où il n'y ait pas eu des conflits comme cela, des conflits d'idées, parce que vous aimez votre paroisse, tout simplement. Mais si vous êtes les amis de Dieu, si vous êtes le fruit de la vigne, vous appartenez au même pied, même sarment, et vous vous aimez les uns les autres, précisément. Et c'est cet amour qui fera que vous pourrez accepter vos différences, mettre vos richesses en commun, supporter vos contradictions aussi, penser aux autres, être dans la charité, bien sûr, être dans l'agapé et être au service de cette parole extraordinaire qui nous imbibe les uns les autres, qui nous fait vivre, qui nous transporte, qui fait toute notre noblesse, véritablement. Oui, c'est comme ça qu'en étant dans l'amour, vous serez véritablement au service de votre paroisse, service auquel le Seigneur vous a appelé les uns les autres. Mais ce discours s'adresse aussi à vous, les paroissiens, les auditeurs, les gens de passage, ici, car dans ce discours que je viens de tenir, vous avez véritablement toutes et tous votre place. C'est vraiment une très belle place. Vous êtes, nous sommes toutes, tous, les amis de Dieu. Et ensemble, nous formons quelque chose qui est de l'ordre de l'image du royaume. Cette image qui est reflétée dans le regard de tout un chacun. Car en vous toutes, en vous tous, il y a quelque chose de christique qui vous fait vivre, qui vous anime, qui vous transporte. Amen. Je vous invite à apprendre le cantique 391, qu'il fait bon à ton service. Je vous invite à vous lever pour ça. Thank you.
Nous allons maintenant reconnaître le ministère du Conseil presbytéral de l'Oratoire du Louvre. Le ministère presbytéral a ses racines dans l'Écriture, bien sûr, puisqu'il fait partie des tout premiers ministères institués dans l'Église. On le retrouve aussi au premier plan des grands ministères dans l'institution de Jean Calvin. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important que ce ministère, évidemment. Et c'est pourquoi nous avons une cérémonie tout à fait spéciale pour accueillir et installer les différents membres de ce conseil presbytéral. Alors, aujourd'hui, malheureusement, il y a deux absentes, Bénédicte Boissonnat et Christine Demesse. Elle est là ? Ah, je ne l'ai pas vue. Autant pour moi. Voilà. Bah, vous êtes cachés derrière et tout. Bon. Bien. Alors, on est heureux de vous voir, bien sûr. Voilà. Alors, chers amis et frères et sœurs du Conseil presbytéral, je vais vous inviter à venir, à vous mettre autour de moi, à l'appel de votre nom. L'Assemblée générale, donc, vous a élu. Donc, j'appelle Charbel Aoun. Alors, Bénédicte Boissonnat, c'est l'absente ? Non, elle est là. C'est là. Je suis un peu perdu. Hein. C'est Bénédicte qui n'est pas là. Ah, c'est Bénédicte qui n'est pas là, vraiment. J'ai tout donné dans la prédication, je suis désolé. Alors, Jean-Luc Buisson. Voilà. Irène Carbonnier. Donc, c'est Christine de Metz qui est là. Je suis perdu, là. Oui. Où est-ce qu'elle est, Christine de Metz ? Enfin, en vous... voilà. Mettez-vous à ma droite, comme ça. Voilà. Pierre de Namur. Voilà. Gustave Dodard. Okay. Très bien. Frédéric Foucault. Magali Guin. Très bien. Dorothée Gruel. Juliette Lauvergeat. Caroline Le Goff. Benjamin Morel. Jean-Daniel Philippe. Aurore Sagliotebo, Martin Simon, Juliette Wasson, bien, et les pasteurs Agnès Aline Schaeffer et Béatrice Clairaut-Mazir. Le Conseil a confié la charge de président à Aurore Sagliotebo, de vice-président à Juliette Lauvergeat, de secrétaire archiviste à Irène Carbonnier, de secrétaire adjoint à Benjamin Morel, de trésorier à Juliette Wasson et de trésorier adjoint à Pierre Denamur. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme serviteur du Christ au sein de l'Église protestante unie de France, dont nous écoutons maintenant la déclaration de foi. Tout le monde est debout, c'est bien. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde.
L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ, annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Et Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle avec d'autres artisans de justice et de paix à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes, inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise ses ressources, lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service, proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen. C'est bon ? Frères et sœurs de l'Église de l'Oratoire du Louvre, vous exercez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères, de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discret dans vos propos. Vous serez vigilant dans la prière, persévérant dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidu aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Je doute qu'au dernier rang, on vous ait entendu. Alors, vous y allez avec un peu de puissance agapée et d'esprit tel que j'en ai parlé dans la prédication. Allez-y. Voilà, très bien. Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaires des décisions que prendra votre conseil et préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Oui, nous voulons. Voilà. Allez, vous voulez recommencer ? Faut que ce soit mieux. Voilà, allez, on y va. Oui, nous voulons. Voilà. Qui nous dit que dans nos églises, il n'y a pas d'humour. Hein ? Bon. Alors, frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements
des membres du Conseil presbytéral, nous sommes ensemble appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendra. Est-ce bien là ce que vous voulez? Manifestez-vous. Donc en vous levant, c'est déjà fait. Et en vous engageant à haute voix. Et là, je m'adresse à l'Assemblée, évidemment. Donc vous avez entendu le Conseil presbytéral. Nous allons vous entendre et vous vous engagez donc avec le Conseil pour soutenir ce Conseil. Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qui nous soit en aide. À vous, l'Assemblée. Ah ben. Hein. Alors, je vais demander à celles et ceux qui vont imposer des mains de venir. D'abord, j'appelle André Ducrot pour la continuité de l'Église. C'est le président du Conseil presbytéral sortant. Une petite place quand même pour moi aussi, et pour ceux qui vont venir laisser ouvert. Il faut toujours laisser une place dans l'Église. Voilà. Pour le bénévolat de l'oratoire, Nicole Aymar, qui est bénévole au secrétariat, et Gérard Delin, qui est sacristain bénévole aussi. Il est passé, Gérard. Voilà, pour l'action sociale, Françoise Majal, qui est bénévole à la Clairière. Voilà. Et Fleurette Razoa Zanamavo. Razoa Zanamavo, Fleurette, où est-ce qu'elle est? Allez, voilà. Voilà, qui est bénévole à l'entraide de l'oratoire. Et Denise Brigou, major de l'armée du salut. Où est-ce qu'elle est, Denise? Voilà. Pour la culture, Laurence Tardy, qui est conférencière en histoire de l'art. Voilà. Et Isabelle Appia et Christine Abribat, qui sont choristes. Pour la théologie libérale, Laurent Gagnebin. Est-ce qu'il est Laurent? Le voilà. Voilà. Pasteur, théologien et enseignant. Pour la dimension inclusive de l'Église, Thierry Pastorello, qui est historien des homosexualités et bénévole à l'oratoire. Et pour la science des religions, Philippe Godin, bénévole à l'oratoire. Maintenant qu'on impose les mains. Il ne faut pas que vous restiez à l'extérieur, là, ceux qui imposent les mains. Ouvrez un petit peu le cercle. Voilà. Pardon? Les? C'est pas grave. Non, non, on impose les mains à tout le monde. Pas de problème. Vous y êtes, hein? Habita. Ça? Bénédiction. Mais ceux qui imposent les mains, vous êtes invités à bénir les membres du Conseil. Nous t'en prions. Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église. Donne à ce Conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, les membres du Conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Et moi, j'ajouterais que, véritablement, à chaque instant de votre vie, même dans les moments les plus difficiles, vous aurez à vos côtés
le Seigneur qui veillera sur vous et son ombre se mêlera à la vôtre. Et je suis sûr que, ensemble avec la communauté dont vous avez la responsabilité, vous aurez une grande moisson à faire. Et c'est pour ça que je vous invite à prendre que la moisson du monde est grande. Le cantique 222, les strophes 1, 2, 3. On marche ? Allez ? Il doit y avoir un moment d'annonce, donc je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous et bon dimanche. Alors, effectivement, quelques petites annonces déjà pour remercier le pasteur Vincent Hubac et puis l'organiste, donc David, qui nous a accompagnés en musique pendant tout ce culte, et également pour présenter tous nos voeux au nouveau conseil presbytéral qui vient d'installer. Donc, bon courage et bon travail à tous. Alors, l'agenda de la semaine qui démarre, donc qui voit la reprise de quelques activités. Donc, on commence mardi 6 octobre, avec la reprise des soirées théophiles. Donc, ce sont des soirées philosophiques et théologiques qui sont animées par Jean-Pierre Clairaut et notre pasteur Béatrice Clairaut-Mazir. Et le thème de la première soirée, ce sera le pur et l'impur. Donc, une approche biblique et philosophique. Et le rendez-vous, c'est donc mardi 6 octobre à 20h, salle Mono. On a également cette semaine la reprise des cours de grec, avec d'un côté les cours de grec débutants avec Anne Velty. Donc ça redémarre lundi 5 octobre de 19h à 20h30, et ce sera en salle Verne à la maison presbytérale. Et reprise également des cours de grec avancé avec Edith. Et là, c'est en visio, sur Zoom, avec deux rendez-vous qui vous sont proposés, le mercredi 7 octobre, de 14h30 à 16h30, et le vendredi 9 octobre, de 18h à 20h. Alors,
le jeudi, c'est le rendez-vous habituel, donc la pause spirituelle qui est animée par notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer. Donc, comme d'habitude, jeudi rendez-vous, jeudi 8 octobre à 12h30, ici dans le temple. Et je vais terminer par deux annonces un peu plus spécifiques à l'entraide. La première, c'est pour vous relayer un appel de Denise Brigou de l'Armée du Salut que vous venez de voir à l'instant dans notre cérémonie d'installation du Conseil presbytéral. Donc, Denise Brigou a besoin de produits d'hygiène pour des gens qui sont accueillis. Donc, ceux-là qui peuvent nous amener du shampoing, des gels douche, dentifrice, nécessaires de rasage. Et tout à l'heure, elle me signalait également, Denise, des couches seraient également les bienvenues. Donc, vous pouvez les amener et les déposer sur les bancs de la première chapelle qui est à gauche lorsque vous entrez dans le temple, et ce sera régulièrement collecté et ça lui sera apporté. Voilà, donc merci par avance pour votre générosité pour l'Armée du Salut, donc pour Denise Brigou. Et puis la dernière annonce, ben, c'est pour vous annoncer l'offrande au bénéfice de l'entraide aujourd'hui. Merci également par avance. Et je vous signale que nous ne pouvons pas encore passer avec le panier connecté, hein, puisqu'il n'a pas encore été associé à l'entraide. Donc, cette fois-ci encore, malheureusement, pas de panier connecté. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Et donc, merci d'avance et bon dimanche. Et bonne semaine à tous. Pardon, juste un tout petit complément, pour David, juste vous dire d'abord qu'une des conseillères presbytérales n'était pas là ce matin malheureusement parce qu'elle est cas contact du Covid-19 et qu'elle ne pouvait pas venir ici en assemblée, donc elle est restée chez elle et pour nous, et donc nous souhaitons vraiment qu'elle n'ait pas de suite désagréable avec ce terrible virus. Et puis aussi, dans le fond du temple, à la sortie, vous pourrez prendre le résumé des travaux du Conseil presbytéral, les travaux en cours. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre cette information qui vous donne les différents travaux qui sont engagés dans l'Église avec le Conseil presbytéral qui est ici. Et ça vous donnera donc les nouvelles de ce que nous sommes en train de construire avec vous dans notre communauté. Merci beaucoup. Voilà.
Oui, un petit complément d'information pour les dons pour l'armée du salut, c'est que pendant la période de Covid, ils ne peuvent pas accepter de vêtements, puisque ça pourrait être dangereux. Donc pause sur les vêtements, hein, donc se concentrer uniquement sur les produits d'hygiène pour le moment. Voilà, encore merci pour votre patience et bon dimanche. Dans nos prières, nous penserons tout particulièrement aujourd'hui aux serviteurs de l'Église, au Conseil presbytéral de l'Oratoire et à la communauté de l'Oratoire. On la placera sous le regard de Dieu et on priera pour que l'Esprit puisse faire rayonner cette paroisse avec son conseil, bien sûr. Au-delà de notre communauté, nous pensons bien sûr à toutes les communautés chrétiennes, quelle que soit leur appartenance, pour qu'elles soient au service de la vérité, de l'amour et de la puissance de l'Esprit, bien sûr. Mais il y a ceux qui sont seuls dans le monde et qui ont peur d'être oubliés, de ne plus compter. C'est une des grandes peurs des détenus, ceux qui sont en prison, qui ont peur d'être oubliés. Ils sont derrière des murs, on ne les voit plus, ils ne voient plus les autres. Pense aux SDF, ceux qui sont qualifiés par un négatif, ils sont sans domicile. Ils ont des richesses pourtant, mais il n'empêche qu'eux aussi vivent très souvent dans une très grande solitude. Les malades aussi sont souvent seuls. Et puis il y a les pauvres, ceux qui sont incompris, ceux qui sont désespérés de la vie. Tant et tant de gens qui sont là, dans nos mémoires et qui sont là autour de nous, quelquefois pas très loin, mais d'autres fois très très loin au-delà de nos horizons. Nous voudrions tellement que le monde soit un monde de paix et de justice, que les guerres et les violences soient bannies de ce monde. Oui, pensez à tout cela. C'est déjà puiser dans nos prières quelque chose de cette sève, du cep, de cette puissance de l'esprit, de l'amour. Nous pensons bien sûr à nos parents, à nos amis et à bien d'autres personnes qui comptent dans nos vies et que nous présentons à Dieu dans notre prière. Je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous avez du Christ en vous. Oui, vous avez cette puissance de l'Esprit, même si vous n'en êtes pas conscient, même si vous dites « je n'en suis pas digne ». L'amour de Dieu est au-delà de tout cela. Il est vraiment, cet amour est vraiment en vous. Alors allez dans le monde, annoncez l'Évangile avec vos moyens, vos qualités. Allez dans le monde parce que le monde a besoin d'entendre la prédication de l'Évangile, de la présence de Dieu au monde. C'est ce monde que Dieu nous apprend à aimer petit à petit en nous construisant tels que nous sommes destinés à être, c'est-à-dire amis de Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde toutes et tous, quelle que soit votre appartenance. Allez en paix, maintenant et à jamais. Amen. Bénis au Dieu nos routes.
Voilà, je vous invite à rester peut-être quelques minutes pour profiter des orgues. Et dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon dimanche et une bonne semaine. Et à très bientôt.